Nous allons ouvrir une vidéo. Une boîte, pardon, celle-ci. Voilà. Pardon, excusez-moi, vous voyez pas bien. Voilà. Explosion de l'aile des ténèbres. On va vraiment pas faire ça. Pourquoi ? Moi, je pense qu'on garde cette intro, elle est bien. Ah, si. Non, je suis pas consentant. Tu l'as su. J'ai rien signé. Mais tu sais que je suis pas consentant. Si je prends ça avec Jouf, c'est trop tard. C'est vrai. C'est vrai. Non, frère, viens, on la refait vraiment. Vas-y. C'était un onopathe. Mais je fais des intros intéressantes de base, tu vois. Genre, quoi ? Explosion de l'aile des ténèbres, je suis genre. Mais gros, j'ai pas signé pour faire ça. Nous sommes des corbeaux de ténèbres. Quoi ? Quoi ? Bravo, messieurs, dames. Comme vous l'aurez deviné à notre intro, nous allons ouvrir une boîte d'explosion de l'aile des ténèbres aujourd'hui. Ouais. Qui est, ma foi, peut-être l'extension yes. où nous pouvons trouver le plus. Tu veux peut-être intervenir ? On n'est pas content. On a ouvert un syndicat, Yu-Gi-Oh. Dans cette boîte, il y a potentiellement des dingueries qui valent beaucoup d'argent, Zoulou. En vrai de vrai, il y a de la dinguerie. Qu'est-ce qu'on veut ouvrir ? Ça. C'est vrai que dans DABL, il y a plein de choses. C'est, comme... c'est Lubélion ou pas ? Qui s'appelle ? C'est Lubélion. Il y a Lubélion ! Il y a le Kashtira en ultra rare qui vaut beaucoup de sous. Kashtira Fenrir ? Fenrir, ouais. Il y a Fenrir. Il y en a là-dedans. Ouais, putain, t'es bon. Il y a le dragon El Sombre en Starlight, peut-être. C'est vrai qu'il y a de la Starlight. Bah alors. C'est vrai qu'il y a de la Starlight. Eh ben, tu sais pourquoi il y a la Starlight ? Parce qu'on ouvre un épisode de Conquête numéro 27. Non, allez. Dis le bon numéro. 33. Bravo. Donc il y a forcément une Starlight possible, sinon je n'ouvrirai pas des boîtes dans Conquête. Ah, c'est ça ton. Bah c'est à la conquête de la rareté ultime. Ah. C'est important qu'il y ait une rareté ultime possible. Sinon ça n'a pas grand c'est intérêt. Vrai. Sinon j'ouvre des decks de structure finalement. J'ai envie de te dire. C'est le mec. En vrai il y a un truc à la conquête de la rareté ultime et il ouvre que des structures et là bah, eh ben on n'a rien eu cette fois-ci. On ouvrira le bout demain pour l'épisode 237. Ou sinon tu peux faire à la conquête du Miss Sprint. C'est con qu'on fasse toute notre intro alors qu'on est en top shot quand même. Mais tu sais, il y a des gens sur TikTok qui ouais. disent je sors de ma piscine tous les jours jusqu'au moment où Weshden sort. Ah ouais, je fais tomber sur lui une fois, ouais. Et bah là, tu fais j'ouvre des structures deck tous les jours jusqu'au moment où je tombe sur une Miss Sprint. Ça va vite me coûter cher, non ? À raison de 12 balles par jour. Bah ouais, mais t'investis pour ta chaîne ou pas ? Ouais, mais 12 balles par jour pour avoir vraiment les mêmes cartes à chaque fois, c'est pas ouf, hein. Après, j'ai déjà eu une Miss Sprint. Enfin, c'était pas une Miss Sprint, c'était un insecte qui était collé à la carte. Dans le deck ? C'était dans les box speed duel Batailleville. Et il y avait vraiment un insecte comme ça sur l'effet de la carte. On met l'extrait. C'est sûrement une erreur d'après. C'est quoi ? Par contre, vraiment, je le dis, il est pas d'accord. Si j'ouvre une Starlight, je la garde. Tu fais quoi ? Je la garde. T'es enfermé. Je la mets dans ma. Non, pire, je la garde et je la mets dans ma poche. Vas-y. Le dragon Merog, spiritualiste, amazonaise, macarorieux. Ok. Chef de guerre amazonaise. Ok. T'as là des abdos. Épée de bambou originale. Ok. Maîtresse amazonaise au fou. Fait toute la vidéo comme ça ou pas ? Cosmo Cody. C'est long un peu là. Utitar Ninjutsu. Belle de ce verre. Oh, j'ai cru que c'était Illusion des Ténèbres et après je me suis rappelé c'était pas dans ce set là. Vas-y, vas-y, lis. Ah, t'as fait tout le booster. Tarot Trétron. Non, tu vois bien qu'il y a plus que 4 syllabes. Mais ouais, mais. Tarot Tréonition. Je crois que tu mets combien au Scrabble avec ? On dirait que tu sors de l'orthophonie. Elle peut toujours te casser la gueule, fais gaffe. Je fais toujours 20 kilos de plus que toi, donc... Allez, à moi, là. Personne n'y croit, Zolo. À moi. Oh, non, mais tu l'as pas mise derrière, c'est terrible, il va nous spoiler la super secrète. Allez, chope-moi des trucs qui valent cher, s'il te plaît. Un petit Fenrir, là. Ouais, c'est pas du bestial. C'est bien bestial. Ouais, mais je sais pas si elle est jouée. C'est pas grave, c'est bien du bestial. C'est bien. Ouais. C'est bien. Bah, trop content. Bah, voilà, merci. Vraiment, oh, du Kashtira, gros. J'aimerais bien savoir combien ça fait de points au Scrabble. Mais il y a pas de. Tu vois, si t'avais un Scrabble, je l'aurais ramené, on aurait fait une partie de Scrabble au plein milieu. Oh, viens, on remplace la vidéo, puis on fait un Scrabble. Bah, t'as un Scrabble ou pas chez toi ? Mais chiant. On peut dessiner les lettres ? C'est chiant. Vas-y, ouvre. Tu lis plus là ? Alors, j'ai une anecdote sur le Scrabble. Oh. Tu sais que le champion du monde de Scrabble. Oui, c'est un Australien qui a appris le français. Oh ! Oh ! Arise Heart ! Oh non ! C'est la pire secrète, putain. Ça va, ouf. Oh, si j'avais eu Arise Heart, j'aurais été un peu deck. Arise Heart ? Ah, mais c'est con parce que de toute façon, elle est pas dedans.
elle est pas dans ce set. Ah oui, c'est photo hypernova. Alors, on a dit qu'est-ce qu'on... Attention, il y a une dinguerie Zoulou. Non. Yes. Le chat triste. Il faudrait qu'on trouve des gages quand même. Bah, si bah dites-nous en commentaire des gages qu'on peut faire pour la prochaine vidéo. Dans 3 ans. Non, mais non, non, celle qu'on va tourner juste après. D'accord. Bah dites-nous, ouais. Oh, le cheval concombre. Oh, let's go. Let's go. Meilleur cas. On pourra le jouer, celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a mangé une salade de concombre, Speedy. Ah ouais. Ok. Belle blague. Bon, bah déjà, c'est pas une Starlight. Oh, 2500, 3000. C'est du Bélion. C'est fait le rire. Let's go, je l'ai go. Let's go. Pa, pa, la, pa, pa, pa. Attends, 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 mais il a dans une pochette, gros. Pa, pa, la, pa, 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 pa. Pourquoi c'est toi toujours qui a les meilleures cartes dans bah, les boosters? Parce que c'est mes cartes, quoi. Elles savent que c'est moi qui ouvre, que voilà. Elles m'appellent. Ça code combien, Lubélion? Ouvre-moi. Je sais pas, au moment où on tourne, je sais pas. 75 euros. 75 euros. Ah, ça rembourse ma boîte déjà. C'est ah, je suis bien content là. C'est vrai. C'est... Je vais la mettre là. Comme ça, on l'oublie pas. Non, c'est bien là. Attends, gros, elle a sa place quand même. Vas-y, faut chop une Starlight du coup, comme ça. Ah ouais, chope-moi une Starlight. Oh, je serais tellement content. C'est quoi la Starlight qui vaut le moins cher? Tu dois savoir ça, toi. Qui vaut le moins cher de toutes ouais. les Starlights je pense que ça doit être le premier piège là, tu sais, la tempête du dragon ou un truc comme ça. Waouh, ça te parle content. Ou pas? Wow, bah, c'est bien Spring Dance, non? Franchement, Spring Dance, il y a la un jour. La tempête du dragon? Non, c'est un piège avec dragon dedans. Je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que tu es prêt à voir la deuxième secrète back to back? Non. Non? Non. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. T'es sûr de toi? Je suis sûr. Oh, le Magnamut! Let's go, le gros. Magnamut! Mais la chatte que t'as, la chatte! Gros, vraiment, ouais. Deuxième bestial. En vrai, j'ai des explosions. Moi, j'ai des explosions de la DTDM chez moi, je vais les ouvrir. Hein. C'est à qui d'ouvrir? C'est, bah, à c'est à toi. Maintenant, c'est à toi, j'ai eu Magnamut. Ah, putain, mais gros, t'as trop de chatte. Ouais, 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 mais c'est Magnamut, quoi. Pourquoi tu mets jamais ton holo derrière? Bah, je sais pas, moi. Puisque j'ai jamais rien, de toute façon. C'est vrai. Après, naissance Kashtira, c'est bien, c'est pas joué, ça. Tu chopes encore un bestial, je te fais manger la carte. Bah, bof, hein. Du coup, bof. T'as déjà eu une boîte où tes deux secrets, c'est les mêmes? J'ai jamais eu ce bug, moi. Non, j'ai jamais eu. Ça existe? Bah, j'imagine. Bon, sûrement, ouais. Oh, le grand renversement de nouilles! Non. Ajoutez la carte du dessous de votre deck à votre main, puis prenez une carte depuis votre deck, mélangez et placez la carte au-dessous du deck. C'est un peu technique, non? C'est un peu technique. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Tout ça pour ça. Ouais. Ok. Ok, we are looking the card. The Blackwing. The Blackwing, ok. Blackwing, Spiritualize, Amazones. Yes. Dispositif Céleste. Ok. Camélia Jordana. Ok. Oh! Wow! Wow! Shadow of Goatee. Snopios. Thank you, Zolo. De rien. Tu sais dire de rien, quand même. De rien, en anglais. On voit que t'as pu faire beaucoup de YXS dernièrement. Thank you. Non, c'est you're welcome. Okay, yes. Let's go in English. Okay, let's go in English. Yes, okay, let's go. You will see my level of English. Okay. I can improve my English for you. So this is no problem. This is the spirit Kyudo Hanshi. Then yes. We have the alignment of the stars in the Lactose Void. Yes, it's a command card. Oh yeah, we very don't nice. Care. We don't the care. Maîtresse Amazoness, thank you. Yes. Oh, Kagero, the ninja of the poum poum poum. Cannon. Yes. Cannon. Yes. Ut, the arts tool of ninjutsu. Yes! elle est encore celle-là. Oh, Iron. Si, attends, je sais le dire ça. Excavator. Je pense que t'as pas tort. Excavator of Iron, thank you. Oh, this is the Twin Saw of Griffrayer. Ok, let's go. The Preparation of Kashtiras. The Malediction of Aramatir. And the Starlight. Wolo, fondateur de Dragon de Somme. Ok, ok. Thank you. I can pull a Starlight on yes. video in English. Wow. Yes, I can. Ok, the famous Augusta Amazones. Yes. The loup silencieux. The wolf. The wolf, yes. The famous wolf. C'est vraiment en anglais. Training in... C'est vraiment un mot anglais, un chat. Inclinant. Inclinant. The oblique training. That's work. Yes, that's work. Yes, that's work. That's fine. That's fine. Yes. Yes, art of ninjutsu. Of yes. Pepper. La poivre. Of dancing pepper. Tu veux dire du paper? Bah oui. The leaves.
Yes, leaves. C'est pas du yes, papier yes. dansant. Yes. Allez, la Starlight, please. Ok. No, the Starlight. Oh. Putain, j'y ai tellement cru. The Blackwing. Oh, j'y ai tellement cru. The Assault Dragon of Blackwing. No. I think he's not correct, but... C'est long un peu en anglais, non? Ouais. Mais t'imagines, en plus, il y a des gens qui, comme moi, parlent pas anglais. C'est encore plus long pour eux. Vamos a hablar en espagnol? Si, si. Yo sprek Netherlands. Oh non. William. Non. Non. Ok. Thank you well. Oh, l'ogre qui tira, très bon ça. Très très Le bon centime. Ça. Une folie? Waouh! Ok, allez, là ça suffit parce qu'il nous manque une secrète. Et la secrète, elle est spécialement ici. C'est peut-être même une Starlight. C'est un Snopius. Oh. Tout juste comme ça. Ouais, ça fait peur comme ça. Hein. C'est... Il faut de temps en temps. Regarde, regarde, regarde. Vas-y. Regarde, hop. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je te montre. En vrai, c'est pas mal! Tu sais que dans ma tête, j'allais révéler une commune. Du coup, c'était drôle. Et en fait, je révèle une secrète. Mais c'est la pire. Bah, envoûtement, on l'est bien, non? Jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire ne peuvent ni être sacrifiés ni utilisés comme matériel. Pour une invocation fusion, synchro, X6 ou lien. Franchement, c'est pas si dégueu. C'est, fort, ouais. Bien, c'est pas si dégueu. On la protège, on la protège. Vas-y, vas-y. Tu veux la jouer dans un deck? Peut-être on la met dans ton format, dans ton draft? Bah non, tu joues pas d'extra deck. Ouais, mais au moins, tu fais pas d'invocation sacrifice, mais... Bah, y a plus trop... Ah si, gros, y a encore les ultra rares, y a encore Kashtira, là, l'ultra. Exact. Qui est d'ailleurs dans mon Fenrir. Fenrir, ouais, regarde. Ça a bien te faire rire, ça. T'as eu combien d'ultra, là? Zéro. Si, t'as eu des ultra. Si, j'ai eu le dragon. C'est-à-dire qu'il reste deux ultras là. Allez, un Fenrir. Oh, c'est bien un bestial. Oh, voilà. Du bestial, c'est bon. Merci. Ça. Si on Allez. A Fenrir, vu que c'est dans la thématique du rire, tu driftes. Elles sont belles les cartes Amazones. J'aime bien. L'art Lesquelles Torque. Bah là, t'as... Elle. Et lui, t'as bien ou pas? Comment il s'appelle? Vernus Sylph. Oh putain, il est bon. Il nous reste 4 boosters. 4 boosters, 2 ultras, 4 boosters. Non, t'en as forcément eu 2. Non, j'ai eu qu'une ultra, je crois. C'est vrai? Je crois, ouais. Voilà, ça veut dire qu'on a encore deux chances. Une chance sur deux. Allez, une vas-y. Chance sur deux. Allez, on a Fenrir. Vas-y, 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 vas-y. Fenrir, Fenrir. Oh, cheval concombre, let's go! Fenrir. Oh. Non. Ah non, vraiment. Vas-y, moi. Moi, j'ai Fenrir, là. Ah ouais, s'il te plaît. J'ai Fenrir, moi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est le karma. Oh non! C'est le karma, Zulu. Oh non! Il nous reste deux boosters. Ok. Une ultra, deux boosters. Sauf si on a mal compté, en fait, on avait déjà ouvert. Ça se trouve. Ça se trouve dans les commentaires, soit depuis tout à l'heure. Mais en fait, vous avez les quatre! Avec Écoutez, cet accent. Nous, dans notre esprit, il nous en manque une. Et celle qui nous manque, ça tombe bien. Bah, c'est Fenrir. Mais ninja ça se prend, ninja ça se prend. Ouais, Fenrir ça se prend plus quand même. Ouais, c'est vrai. Allez, s'il te plaît. C'est vrai. The Famous Loup. On va la voir, elle est là. Elle est là. C'est un bestial, mais elle est pas jouée celle-là, je crois, non? Je crois pas. En vrai, elle est hyper stylée, je trouve. Je l'avais jamais vue de près. Hyper stylée, hein. J'avoue que. Il y a combien d'étoiles, la Zulu? Attention, hop, 12. 9, 10, 11. Il y en a 11. Non. Il y en a 11. Oh merde. Tu veux compter? Non. Il y en a 11. Ouais, il y en a 11. Ok. Je peux te mettre une baffe parce que t'avais tort? Bah, ça va aussi Mais c'est bien, tu me fais confiance en tout cas. Parce que t'es mon bro. Il y en a combien? Il y en a 11. Ok. Tu veux compter? Non. Il y en a 12 ou pas? Il y en a 13. Il y en a pas 13. Bah si. C'est 12, Mike. Je suis flou depuis tout à l'heure. C'est incroyable de quoi. Ouais. Tu peux faire la conclusion, s'il te plaît, et dire ce qui se passe? Bah, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Très bien. Non, mais en vrai, allez-y, c'est bien. Je sais pas ce qui se passe, moi. Putain, on va ouvrir ça. Prochaine vidéo, photon hypernova. Vous savez qu'il y a des dingueries dedans. Et ça, ça c'est plutôt cool. T'as été royal quand même sur cette opening. C'est vrai que. Franchement, je peux pas te plaindre. Non, le petit Lubillion, on a eu deux. On a eu deux. Pas Kashtira, deux bestial. Deux bestiaux, du coup. Deux bestiaux, effectivement. Deux bestiaux. Un bestial des bestiaux. Et on va s'ouvrir photon hypernova dans la prochaine vidéo. Donc venez nous rejoindre. Ah, et bah, pas tout de suite, en fait, mais à la prochaine. Mais nous, oui, par contre, c'est tout de suite. Quoi? Nous c'est tout de suite. Ah oui, nous c'est tout de suite. Et c'est drôle parce que la première vidéo qu'on a fait, bah en fait, les gens ils croyaient qu'on allait ouvrir ça. Non. Oui. Allez, au revoir. Oh, je vais zoomer sur ta tête là quand tu rigoles à la fin.